Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Je vais juste noter hop, le nom du précédent épisode qui sera donc la science. Voilà. Hop, ça c'est fait, je vire tout ça et on reprend la manette. Je rappelle au passage encore une fois que je joue à la manette, c'est plus facile je trouve pour ce genre de jeu. En tout cas c'est plus agréable que de jouer à la souris ou au clavier, ça change un petit peu en plus. Donc on pouvait récupérer la... tout ça. Honnêtement ça me plaît pas plus que ça. Permet. Merci. Clé de Ryan. J'ai récupéré sa clé. Je peux déverrouiller. Ça l'accuserait lui. Oh non, c'est encore pire. Ok, chef. Chef, oui chef. Faire le rapport de mission sur l'arrestation des opposants. Désolé. Captain, report. Go ahead, lieutenant. The insurgency's been quelled. What about this pain in my ass, Bulgakov? Let me start with the good news. We stopped Bulgakov at the station before they set off their explosives. Bad news? She slipped away before we could grab her. Starting with the good news doesn't make it any less of a failure, Lieutenant. The ASC's gonna try to rip us a new asshole over this. But the fact that they said Bulgakov was a man and not a woman might give us a bit of ammo to fire back with. Bien. I'm still pissed. But there's no telling how many lives you saved today. So go find Quartermaster Ryan and collect your pay. Let's keep the fuck-ups to a minimum, though, going forward. C'est pas une bavure. How many times I'll be able to cover your ass with the ASC. L'élimination des déserteurs. Report. Yes, Lieutenant. Rest assured, potential scandal's been abolished. Everything's in order. We got there in time. All deserters were neutralized. Congratulations, Lieutenant. Quick and clean. Job well done. What was the fate of the sergeant in charge of the group? Sergeant Boris? You'll be pleased to hear that he's been eliminated, as requested. I'm glad to hear my expectations were met. As hard as it must have been to carry out those orders, it's never easy to take the life of one of your own. J'en suis pas fier. Even if he was a coward and a traitor. You did well. Saved us from scandal. My trust was well placed. Quartermaster has your pay. Go get it. It was well earned. You missing a soldier, Lieutenant? Before you can respond, the answer is yes. David Ward. You should probably find him before I do. Consider yourself a shepherd, Lieutenant. One of your flocks gone. Find him. And do it quick before it has to become official. Do I make myself clear? Consider him already found, Captain. Good. Moving on. We have new missions. A bit of a welcome change from the big chases. We've got state officials arriving in Ophir today, and an ASC warning that an influx of Aurora spies in the city are planning trouble. For security, the officials will be picked up in rovers outside the city and brought to the hangars, rather than coming through the station. We've got brigades tracking the spies, but you're gonna have to usher them through the slums and make sure they get to our quarters safely. No excuses. No failures. We clear? Questions, Lieutenant? Aucune, madame. La protection officielle, répétez-la, interrogez sur le rover. We have rovers. A few of Abundance's most prized relics, dating back to the colonists. Fragile, un véhicule, hard donc. To fix though, so they're used sparingly. But what we need to travel away from our shadow paths, they're damn near invaluable. They're small though, so they're not transporting more than a few men. But who knows, you may find need for them on quick and dirty missions in the future. D'accord. Les officiels. Who are these officials I'm being sent to babysit? Senior ministers of agronomy evacuated from Green. Des fonctionnaires, forcément. Some coddled pop star singer, and most importantly, some senior officials, including the high judge, a man we can't afford to lose. Whatever you have to do, just make sure you get them to their destination in one piece. D'accord. Bon, bah, c'est rien de demander des intentions d'Aurora. Ah, quoi que, on y va. Aurora have the gain by targeting our officials. Destabilization, humiliation, to show they can strike anywhere at any time, even in the heart of our capital.
Vous avez remarqué qu'elle a tourné la tête pour regarder derrière elle? Sans bouger les épaules. Regardez, elle va refaire. Tu pourrais me regarder quand je te parle? Oh là là. Enfin bon. Ok. Bon, on va aller chercher notre... Il y a une enquête à faire ici. Soldier. Lieutenant? I'm looking for Private David. No, you know him pretty well, and if I don't find him soon, he could be in a lot of trouble for deserting. You got any idea what's going on? Yeah, I mean, can I be frank, Lieutenant? Wouldn't have it any other way. Word kind of spreads fast around here, and, well, what happened to Sergeant Boris really shocked a lot of folks. And to be honest, David more than most. Not just because he was out there, but also because he knew Boris pretty damn well. I don't know where he went to, but my guess is he'd be drinking away his dark thoughts somewhere. Thank you, soldier. I'll try to find him. Allons-y. Qu'est-ce que t'en... Oula, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses? At your command, Lieutenant. David Dis-moi. Ward hasn't reported in. You have any idea where I could find him? Yeah, I mean, I don't like to say nothing bad about folks, but I know he likes to drink. If he ain't with his parents, he's usually at this bar called the Curiosities. C'est bien ce qui me semblait. Sorrows, you know? Ok, merci l'ami. Merci l'ami. Donc, du coup, est-ce qu'on prend les armes? Putain. Non, j'ai pas envie de les prendre. J'ai absolument pas envie de les prendre. Par contre, on va les prendre notre solde, chers amis. Hello. Lieutenant, how can I help you? Demandez sa solde, pardon. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Combien? 150, jambes de soldat, bottes de protection de soldat. Ouh. Et donc, ça ressemble à quoi? C'est vers le bas, voilà. Alors, ça c'est les armes. Pantalon de technoment, gendarme de soldat. Oh, ça aurait été joli pourtant. Un force, d'accord, et pantalon d'uniforme de soldat. D'accord. Et donc au niveau des bottes, bottes de protection de soldat que je n'ai pas accès non plus. Cependant, toi l'ami, toi tu vas y avoir accès normalement à tout ça. Hop, jambes de soldat. Ok, et les bottes, je pense que tu les as déjà, de mémoire. Oui, effectivement. Ok, t'es quand même stylé. On va quand même améliorer ton pantalon, si c'est faisable de mémoire, je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Oui, jambes de soldat, on peut les améliorer. Alors, elles sont jolies quand même. Hein. Réduction de dégâts niveau 1. Ouais, bon. Celle-là, clairement celle-là. Hop. Parfait. Bon, on n'est pas trop mal. En soi, on n'est pas trop mal. Quel homme. Ok, bon. Ici, on n'a plus rien à faire, normalement. Il faudrait cependant... Alors, ici, il n'y a pas de quête à me donner. Non. D'accord, bon, on va traverser la ville. Et aller voir dans les bas quartiers. Sécuriser la zone du hangar, retrouver David. Oh, Curiosities. Eh bien, écoutez, on est parti. Hop. Je vais pouvoir y arriver assez facilement en faisant la ligne droite jusqu'au bout. Je crois qu'il y a des petits passages en plus par lesquels on peut passer pour gagner un petit peu de temps. Hop, je me gratte la tête. Et je peux resprinter là à gauche. Hop. Allez, grimpe. Crac. Toujours sympa de le voir faire ça de toute façon. Hop. On va pas se faire agresser à nouveau. Non, c'est bon. Là, il n'y a aucun moyen de sortir par là, normalement, si. Je me suis encore fait eu. Toujours aucun moyen d'ouvrir la porte, ici. Oh là là. Quand tu vois comment qu'il ouvre des grilles, des portes coulissantes, et que là c'est un petit peu trop complexe pour lui, tu te poses des fois des questions. Ok. On va aller par là, c'est pas grave. Oula, ça marche contre un mur. On va faire comme si on n'avait rien vu, cela dit. Hop, on est bon.
On est bon, on est bon, on est bon. Crac. Hop, je regarde le montage qui est en cours à côté. Oh là là. Bah oui, comme je tourne à 9 vidéos par jour en ce moment à tourner, j'ai plutôt intérêt à monter un petit peu en journée. Même si ça me fait toujours me coucher à 2-3 dans le matin. Donc c'est pas encore ce qu'il y a de plus efficace. Donc. Alors, dans la zone, il faudra qu'on aille au Curiosity qui est là-bas au fond, normalement. C'est ça. Et ensuite, il faudra qu'on aille à la gare qui est... Qui est. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Ici, d'accord, c'est réservé au hangar. Non, c'est le hangar, pardon, pas la gare, excusez-moi. Oui, je pète une durite. On va pas donc passer à gauche, là, puis aller par là. Ok, nous voilà partis. À gauche, c'était par là, oui. Par là ensuite. Oh, les mecs! Les mecs. On est par là. Boum! Aïe! Un de moins. Boum! Aïe, je me suis pris une balle. Hop, raté. J'en ai deux d'un coup. Personne d'autre pour le combat? C'est bon? Vous êtes calmés? Laissez passer. À nouveau. Sérum. Aucun objet à récupérer. D'accord. Allez, on continue. On ne s'arrête pas pour quelques abrutis. Même si je pense qu'on va avoir un combat très très vite, malheureusement. Genre sur la grande place? Juste devant le Curiosity? Ça va sûrement être ça. Regardez-le celui-là. Non, ça va. Ça va, vous cuvez bien les petits coups que je vous ai donnés? Ils sont encore vivants, hein, mais ils sont assommés depuis à peu près 2 épisodes ou 3. Donc bon. Alors. Crac, on va sauvegarder avant d'entrer directement dans le Curiosity, dans le bar. Hop. Hello. Ward. Lieutenant? How happened to you, Dave? Captain's about to call you a deserter. Fuck if I care, Lieutenant. Who the hell are you? Show up with your pretty title and execute Boris like a goddamn dog? You didn't know the guy. You didn't see him fight on the front line like I did. Guy had courage. Real courage. Cared about his fellow men. You? What are you to me? Less than I am. David, listen to me. I'm not defending what went down. ASC's been keeping an eye on everyone, especially the army. If we left Boris alive, they'd have gotten their hands on him. And what they would have done, you know this. Non, attends, tu auras avant, c'est clair. That true? Why the hell's the ASC interested in soldiers? Thought they just went after the rebels, another corporation. So what? You saying they would have tortured him? Bah oui. To them, there's no difference between a deserter and a rebel, Dave. Especially in times of war. You might want to consider that. Ah, c'est bien. Je suis content qu'on le dise comme ça. Head back to the barracks. Yeah. All right. Sure. Thank you, Lieutenant. Never thought a guy like you would even take a moment's thought for a guy like me. Tu feras pas partie de l'équipe de toute façon. Hein. Tu peux te barrer. Ah bah écoute, tu fais partie de l'équipe. Je sais quel quête on va faire. C'est bon. On va s'habiller en haillons, chers amis. C'est le moment. Le moment est arrivé. Du coup, on partirait bien là-dedans. Validé, merci. Tornade. Ça peut être sympa aussi, ça. Tout comme la transe, d'ailleurs. Cependant, on n'a déjà pas assez de points... Ah, ça peut être intéressant ça aussi. Ça peut être intéressant au niveau d'un combat visuellement de faire tomber l'adversaire. Ok, donc par là-dessus. Moi j'aime bien me battre au bâton en plus. Donc on part là-dessus. Bon, on va aller s'habiller en haillons, chers amis. Je vois des points ici, effectivement. Cependant, je préférerais remonter si c'est possible.
Les sous-sols, il n'y a pas vraiment plus près. Hein. Faut qu'on retraverse toute la ville. Oh là là, pas tous les bas-fonds. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Il y avait lui en marchand là aussi. Faudrait que j'aille faire un tour au niveau des marchands. Officer, hello. What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. Oui, bah écoute, on va regarder ta marchandise. Tantôt à lame crantée, donc ça c'est les trucs de base. Les recettes. T'en as aucune, dommage. Clé à molette pomblée, assommoir, tube à jouret, bouclier de soldats renforcé. Stylé. Ok, tant pis, il me faudra vraiment que j'aille faire un tour à ces marchands pour les recettes en fait, récupérer les différentes recettes. Hop, personne d'autre pour combattre, c'est pas plus mal. Alors, par là c'était quoi déjà? Oui, c'est la place publique, là il y a la péripatéticienne. Hop, et on est bon. On va s'acheter des haillons et on va aller... Enfin, je crois qu'il faut que j'en achète qu'un seul. J'en avais trouvé un sur quelqu'un. Je crois que c'est comme ça que ça s'était passé. J'en avais trouvé un sur quelqu'un. Et j'en avais acheté un. C'est ça. Ok. Donc, bah, écoutez, autant les équiper tout de suite. Hein. Hop, équipement. Non, alors le menu, c'est catastrophique. Peut-être le millimètre le prendre à la souris. Hop, voilà. Ok. On a vraiment l'air de mendiants avec nos jambières. T'es sérieux? C'est le mec, tu sais, qui... Bah c'est dans... Comment que ça s'appelle? Dans... On retrouve le futur où il met un poncho et sous le poncho, il y a la plaque, quoi. Vous savez, il est encore mieux équipé sous le poncho. Bah c'est un peu ça. Ça va me coûter par contre 150 boules de mémoire, hein, de... D'acheter les haillons. Tu peux pas me fournir en haillons, s'il te plaît? On va regarder vite fait s'il a des trucs. Ah, il a des recettes, semble-t-il. Ouh, oui. Il a des recettes. On a combien, nous? 1300. Ça peut être intéressant. Voilà, j'ai tout acheté. Je lui ai tout acheté. Lunettes de pilote, casque de mineur. Hop. Veste de technicien. Veste de membre de l'assemblée. Oh là là. Il y a des super trucs dans le coin. Artisanat. C'est exactement la même chose. Blouson d'ingénieur. Popopopo. Ça peut être joli aussi. Haillon de mendiant. Voilà, 43. Ah bah c'est pas très très cher. Ça va. Hop, parfait. Au niveau des jambières, il y a des choses intéressantes? Non. Calotte de protection. Je vois pas à quoi ça correspond. Donc je perds mon point en... Bon, je vais la prendre. Juste par principe, parce que si c'est une... Comment que ça s'appelle? Une capuche, ça peut être sympa. Oh, c'est laid! Ah, non, surtout pas. David, Ward, Zacharia, Jeffrey. Plutôt sur David alors, dans ce cas-là. Vu que t'es un tank à la base, je vais bien te mettre ça. Allez, hop. Et toi, par contre, je suis désolé, je vais devoir... T'es tellement stylé quand tu veux, mais... Je vais devoir... Ah non, c'est pas lui, je me suis trompé de mec. On est combien? Jeffrey Hunter? Zacharia? Ouais, je me suis chié dessus, c'est Jeffrey Hunter qui a eu le truc. On va changer ça, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà, blouson vori complet, uniforme soldat d'abondance complet. Voilà, déjà, ça, tu peux l'équiper. S'il te plaît. Eh ben non, c'est vrai, tu vas prendre le haillon, toi, je suis con. Je suis complètement con. Voilà. Ok. On va là-dessus. Jeffrey Hunter, sans casque. Toi, casque de protection. Calotte de protection. Voilà. On va t'appeler Glandu maintenant. Parler au passeur. Le passeur qui se trouve donc... Juste ici. D'accord, juste à côté. C'est pas loin, c'est parfait. Vous êtes trop chargé pour sprinter. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Mais nous savons tous, chers amis, qu'il y a pas très très loin de quoi améliorer notre équipement. Et du coup, on pourra recycler un petit peu toutes les armes que nous avons à l'heure actuelle. Et donc récupérer toujours un peu plus de quincaillerie.
Alors, vous voyez ça, par exemple, on va pas l'enlever. Alors, le niveau de... Alors, je vais plutôt m'occuper des armes. Ok. Alors, la masse, malheureusement, je la garde pour l'autre ward. Pistolet robuste. Alors, ça, je peux les virer, par contre. Hein. Ok. Gants aspirant, je les supprime. Et ça, je vais le garder. En poids, on est à combien sur nous? Ok, alors attendez. En poids, on est à combien sur nous? Ça va être là-dessus. 259 sur 250. On en a encore trop, chers amis. Hein. Je précise. Alors, on est sur le bon. Non, on est sur Zakaria. On est sur Jeffrey Hunter, sur David Ward. Donc, David Ward, clé à molette. J'aimerais t'équiper de la masse, si c'est possible. Voilà. Amuse-toi. Et donc là, est-ce qu'on a gagné un petit peu en poids? Non, pas du tout. Je vais donc virer quelques armures, hein, chers amis, tout simplement. Hein, c'est blouson dévoré complet. Tout ce que je n'ai pas de... Voilà, par exemple, ça déjà, tout ce qui est pas améliorable, je vais le virer. Blouson médecin, je le garde, parce que voilà, ça fait de la science en plus. Artisanat, je vais le garder. Uniforme de soldat léger d'abondance, je le vire. Veste d'aspirant. Je ne sais plus. Non, je la garde. Je la garde. Ok, donc là, on devrait être bon au niveau équipement. 229, 250. Faudra vraiment que je dois avoir, à mon avis, une shit quincaillerie sur moi. Ça va me prendre beaucoup de place. Ok. Va falloir que je commence à stocker tout ça. Donc, on va aller voir le passeur. Parce que maintenant, je peux enfin sprinter à nouveau, ce qui est génial en soi. Le passeur qui se trouve donc... Là. Je regarde, on peut peut-être passer par devant là. Non, je connais le coin là, c'est un truc à se paumer. D'accord, il est là-dedans. Ok, why not. C'est bien là, je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, allons-y, allons voir ce passeur. Train station. Oui, ça me semble logique qu'il soit à la gare. Voilà un autre mendiant. Ok. Pause. Sauvegarde. Bonjour. J'aimerais passer, s'il vous plaît. Hey, I was told you could help me. That so? Perhaps. I heard you were the discreet type. Could maybe help me and my friends get out of Ophir. Leave abundance. Is that true? What's your deal? Political problems? Avoiding the front? Never mind. Keep your silence. Better for all. Yeah, I have some contacts that might be able to help you out. But I don't do favors. It's gonna cost you. And to be straight, to get three people out, it's gonna cost some bribes to guards and officials. Not gonna be cheap. But if you've got the serum, we can get you on your way. I brought you everything I could scrape together. Oh, la vache. Ah, tiens, vas-y, prends 200. Good to hear. Good. Good. I'll take care of the rest. You got a map? Look here. Meet me in the underworks. It's hidden. And it'll make it easier to sneak out. On va passer d'abord à la caserne. Je vais ranger un petit peu des objets dedans. Et on reverra ça tout à l'heure. Alors, on y va. On y va. Je suis vraiment trop chargé. Est-ce qu'on est obligé de garder notre équipement sur nous? Ce serait peut-être pas mal de remettre le nôtre. Ouais, non, on va le garder par principe, on est là pour l'histoire. Et si nous devons rencontrer à nouveau le passeur, donc excusez-moi, j'ai complètement oublié le mot, le passeur, autant être équipé de manière à ce qu'il ne nous calcule pas à l'avance. J'ai toujours les boules quand je rentre dans ce bâtiment de me planter, de récupérer les armes ou un truc comme ça. Ok, stocker. Est-ce qu'il y a moyen de stocker des compos? Je pense que oui. Non, coffre, non, inventaire plutôt, voilà. Débris de métal 131, voilà déjà, donc ça met dans l'ambiance. Ok, alors là, ça c'est la haine. On peut pas directement... Oh! Allez, on va mettre 80. Hop. Faut que j'en ai 50, hein, à peu près.
Oh là là, c'est pas possible. Cette interface. Ah, c'est bon, attendez, j'ai trouvé un moyen. Ouh. Hop. Ah, on récupère de la place sur nous, c'est agréable. Quincaillerie, je la garde, parce que malheureusement, il en faut beaucoup. Ok, parfait. À ce sujet, on pourrait peut-être améliorer un petit peu notre équipement à nous. Avant d'y aller. Poignard cranté courbe. Là, par exemple, normalement, je devrais pouvoir mettre... Perce armure, intéressant. J'ai pas dégâts 2 ? Dégâts améliorés 2 ? Non, je l'ai pas. Ok, garde poignée, d'accord. Dégâts améliorés, c'est ce que j'ai actuellement. Donc, il n'y a pas de raison de... t'y retoucher. D'accord. Bon. Je suis vexé, je l'avoue. Matraque cloutée. Hop. Dégâts améliorés, c'est toujours le même truc. D'accord, why not. Manche. Dégâts améliorés aussi. Hop. Voilà. Faut qu'on améliore tout notre équipement, hein. On va le faire suivre. Littéralement. Dégâts améliorés de 2. Voilà. Crac. Hop. Voilà, qui est mieux. Ça, c'est bien, bien mieux. Centre, on n'a pas fait encore. Dégâts améliorés niveau 2. Oh, c'est joli, ça. Avec une lame comme ça, c'est vraiment joli. Je prends. Pistolet robuste. Ah, enfin une vraie lunette. Parce que ça, franchement, c'était moche. Enfin une vraie lunette. Je préfère encore une lunette. Ingrédient manquant. Pièce électrique. Oh, d'accord. Ok, j'en ai pas. Je suis d'accord, j'en ai pas. Les gants. J'ai rien mis dedans. Pièce électrique, j'en ai pas non plus. Bah écoute, on va mettre des débris électriques. Voilà. Crac. Je les avais pas améliorés, dis donc. Honte sur moi. Ici, lunettes, on peut pas l'améliorer. Mon uniforme de base à moi, c'est quoi déjà? Ah ah. C'est un blouson dévoré, il me semble. J'ai pas résistance aux dégâts physiques niveau 2, donc c'est pas la peine. Pantalon. Réduction des dégâts physiques niveau 2, je l'ai, mais j'ai pas de pièce de métal. Dommage, parce que c'était stylé. Ok, bon, écoutez, on va commencer là-dessus. Hop, on va se diriger dans la bonne zone. Qui est donc ici, juste à droite, parfait. On va pouvoir prendre l'ascenseur, il me semble, en plus. Oui, c'est ça. Bon, parfait. Hop, on descend. Et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Merci, on ne serait pas arrivé là sans vous. On va continuer cette aventure le plus loin possible ensemble, avec Tête de Gland à droite, qu'on appelle David Ward aussi. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesmet.com. Vous pourrez comme ça voir des jeux à des prix réduits, ce qui est toujours sympathique pour nos petites économies de gamers, hein, simplement. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.